Oui. Les acheter où alors les poissons? Bah, je les ai commandés à Eric, notre poissonnier, là, qui vient le samedi matin au Samboul, et il les a commandés à un pêcheur. D'accord. Alors en ce moment, c'est pas vraiment la saison, donc ils sont un peu plus chers. Et à partir normalement d'avril, mai, là, on en trouve de plus facilement, quoi. Et on vide juste l'intérieur. On vide juste l'intérieur. Pas la peine d'enlever les écailles. On les vide. On les éviscère. C'est tout ce qu'on en fait. C'est tout. D'accord. On les lavera, on verra après. Pour l'instant, on fait ça. Oui. On épluche les pommes de terre pour agrémenter la soupe, quoi. Et puis, on va éplucher des échalotes, des oignons. Des échalotes, des oignons, des poireaux. Oui. Donc, les pommes de terre. Maurice va venir pour éplucher l'ail parce qu'il adore ça. Alors, il nous a absolument demandé de lui réserver l'ail. D'accord. Il adore éplucher les gosses. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est juste le préparatif du poisson, des différents ingrédients. Après, on va faire cuire. On a les jolis crabes verts également qu'il faut commander chez le poissonnier. Au moins une bonne semaine à l'avance si on veut en avoir, parce que ça c'est une denrée rare qui est réservée aux restaurateurs. Ah bon? Donc voilà les petites étrilles, les crabes verts que l'on met dans la soupe et qui apportent énormément de liant, de bonnes choses. Alors Nadine, toi tu es chargée de quoi alors? D'éplucher les pommes de terre. Eh ben dis donc, alors tu as du courage. Bravo Nadine. Alors maintenant, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle nous explique comment elle a fabriqué sa soupe de poisson. Combien de rougets, combien qu'il y avait des girelles, mais aussi parce que Alors raconte-nous maintenant. Oui, mais nous on a fait pour ciseaux. J'ai fini juste, s'il vous plaît. C'est noir, hein. Oh là. Alors écoutez, elle va nous expliquer comment elle a fabriqué sa soupe. Hier, on n'était pas sûr de la faire parce que, en téléphonant à tous les pêcheurs, poissonniers du coin, ils nous ont dit c'est pas la saison, c'est pas encore, maintenant c'est la poutine, il n'y a pas les poissons de roche, il vaut mieux annuler. Et puis notre poissonnier d'Estamboul a dit attends, j'ai quand même un plan, je te rappelle dans un quart d'heure. Il me rappelle, il me dit c'est bon. Il me dit vous êtes 25, il en faut 6 kilos, 6 kilos de poissons de roche. Et donc, il m'a dit, tu viens demain à Valbonne, je sais pas s'il y a un stand à Valbonne, au marché. Oui. Et il m'a dit, tu récupères tout, tu viens avec la voiture devant le camion, tu récupères les 6 kilos. Alors, elle a bravé la neige quand même. Alors, j'ai dit top. Elle est plus costaud que toi, parce qu'elle est allée, elle, pas toi. Hein. Non, ben non. Et donc voilà, c'est tout. Pour faire une bonne soupe, il faut du poisson, il faut des crabes. Et des bras pour la tournée. Et surtout, alors attendez, avant les bras, on a eu quand même un monsieur là-bas qui est assis, je ne sais pas s'il entend. Oui, attends, Maurice. C'est Maurice. Maurice, hier il a dit, tu me gardes l'ail. Moi, c'est moi qui épluche les gousses d'ail, j'adore ça. Donc, il n'a pas pleuré sur la journée. Il a épluché l'ail, il est venu à l'heure. C'est un fétichiste, Maurice. Je sais. Lui, c'est un homme. Après, nous pleurons. Après, bon, pour Maurice, donc,
Allez, pour Maurice, c'est pipi. Nadine, elle a épluché toutes les pommes de terre. Bien. Donc, bip, Nadine. Ouais. Après, Sophie, elle voulait apprendre à fabriquer la rouille. Oui. Eh ben, elle a quand même fait deux saladiers de rouille. Elle a dérouillé. Oui. Bravo. Bravo, Sophie. Bravo. Et donc, pour finir, et Claude a fait cuire les patates. Claude, tu es la tata. Oh, le T'as pas mené les olives. Et pourquoi t'as pas mené les olives. T'as pas mené les olives. Et après tout ça, la soupe cuite, il a fallu là. La tournée. Antonio. Et bip, Antonio. Antonio. Pour François et Titi. Et on ne va pas oublier tous ceux qui ont amené, qui est arrivé les bras chargés avec des bouteilles, avec des gâteaux. Ah oui. Et je vous demande un viva particulier pour celui qui habite au deuxième étage au-dessus de nous et à chaque fois qu'il nous enquiquine en disant qu'on fait du bruit. Et pour lui, pipi. Et pour Sophie, pipi. Ouais, Sophie.